vous accueillir chez vous. Il est 10h à Nangaéboko, dans la région du Son, département de la Haute-Salanga. Oui, on parle encore de Nangaéboko ce matin. On a bien envie de saluer ces populations. Après ce vent de terreur qui a soufflé de ce côté-là, on a assisté à une véritable barbarie humaine. Jusqu'ici, on se pose la question de savoir ce qui a bien pu motiver un individu à pouvoir égorger une, deux, trois, quatre, cinq et jusqu'à 6 personnes. C'est vraiment déplorable ce qui a pu se passer de ce côté-là. Vivement sur les réseaux sociaux, on a l'image d'un monsieur qui serait aux arrêts et qui serait le principal responsable de cette barbarie humaine. Véritablement, que justice soit faite. Ces populations qui, de ce côté-là, vivent désormais la peur au ventre. Ils se disent que si ça s'est passé ailleurs, ça peut se passer chez nous. Vivement, elles ont besoin de soutien de la part de ces autorités et des forces de maintien de l'ordre qui devraient pouvoir redoubler d'ardeur et d'efforts pour veiller sur ces populations-là qui ne savent à quel sens se vouer. Bien le bonjour encore, c'est votre programme Distos le Zénith et on va se balader ce matin. Et quand on parle de balade, c'est en termes d'information également. Et ça, vous le savez, ici, on décrypte tout. Il n'y a pas de sujet qui soit tabou, raison pour laquelle dans le cadre de l'histoire du jour, on se permet tous les matins de pouvoir commenter une histoire. Peu importe qui l'envoie, ce qui nous intéresse, c'est de vous sauver et de vous retrouver tout souriant. Dominique Audrey-Engalec, bonjour. Bonjour Isabelle, Carole, bonjour aux téléspectateurs. Histoire du jour. On y va. Bonjour à vous sur le plateau. Je viens partager mon histoire avec vous. En effet, je suis un jeune Camerounais âgé de 34 ans, résident dans la ville de Douala. Il y a cela quelques années, j'ai rencontré une jeune et très belle fille âgée de 27 ans par le biais d'une connaissance que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle était belle à l'intérieur et de l'extérieur, comme elle me laissait voir. C'était la femme parfaite à mes yeux. Elle faisait les choses comme moi j'aimais. C'était comme si on lui avait dit « ton gars aime ci, il n'aime pas ça ». Ça faisait déjà plus de 7 ans que j'étais à la recherche de l'âme sœur parce que Oda, mes parents n'ont pas eu une vie de couple heureuse. Tout petit, je me suis promis d'avoir une vie de couple parfaite et heureuse et de ne pas faire des enfants avec plusieurs femmes. Dès que cette dernière est entrée dans ma vie, je me suis empressée d'aller voir ses parents pour qu'on fasse les choses normalement. J'ai envoyé mes tontons pour une enquête de cette famille, ce qui a été fait, et le rapport de l'enquête était positif. Nous nous sommes mariés et c'est ce jour que je me rends compte que je suis allée acheter mes problèmes. Déjà, la nuit de noces, nous n'avons pas partagé notre intimité parce qu'elle a carrément refusé en prétextant qu'elle était très fatiguée. Vous imaginez toute ma peine, nous n'avions jamais partagé d'intimité avant du fait de ses principes liés à la religion. Dès que nous sommes rentrés dans l'hôtel, nous sommes rentrés de l'hôtel pour la maison, c'est là que je découvre la femme que j'ai épousée en réalité. J'héberge ma mère dans un des appartements de mon immeuble. Elle a commencé par me demander de faire sortir ma mère, ce à quoi je me suis farouchement opposée. Après, c'était le mépris, les insultes et les sorties à mon insu et les propos tribaux puisque nous ne sommes pas de la même tribu. J'ai mis ses parents au courant de la situation au départ. Ils ont semblé être de mon côté, mais par la suite, je me suis rendu compte qu'ils étaient de connivence avec leur fille. 2 mois après, elle est partie de la maison et 6 mois plus tard, elle est revenue me demander pardon à genoux et ce que j'ai accepté malgré moi. Mais récemment, le plus dur, c'est que j'ai découvert que les 2 neveux qu'on m'avait présentés étaient en réalité les enfants de ma femme. Je suis complètement perdue, je suis dépassée, je ne sais quoi faire. Je l'ai su par le biais d'une tantine qui était amie avec leur ancienne ménagère il y a de cela 2 semaines. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que ma première fois que je suis allée chez eux, sa maman m'a raconté l'histoire de la naissance de ses enfants et on m'a fait comprendre que c'était les enfants de son grand frère et que leur maman était décédée. J'ai avalé cela naïvement. Quelque temps après notre mariage, elle me mettait la pression pour qu'on adopte ses enfants. J'ai confronté ma femme et elle nie tout en bloc et me demande de contacter son grand frère. La ressemblance avec ma femme est frappante. Je me suis dit qu'une nièce peut ressembler à sa tante, ça peut arriver. C'est aujourd'hui, je suis dépassée. Moi, je suis chrétien et dans ma famille, ils sont traditionnalistes. On m'avait prévenu de cela, mais moi, je me suis dit que je n'y croyais pas. J'étais aveuglée par l'amour. Comment faire aujourd'hui face à cette situation?
Je ne sais pas si ce qui se passe sur le plateau est normal, simple, ou alors si c'est Ils doivent boire une de l'eau. réponse À à quoi? l'histoire de ce matin. Ou alors ils ont simplement besoin de boire de l'eau. Je ne Oui. sais pas, Pamela Fomen et Charles Lamel. Je ne sais pas si c'est en rapport avec l'histoire ou C'est une mauvaise s'il coïncidence. y a autre chose. C'est une mauvaise Ça, coïncidence. on ne le sait pas, on peine à le savoir. Mais dans tous les cas, je veux bien savoir ce qu'il veut aujourd'hui, hein, Dominique Audrey. Qu'est-ce qu'il fait des deux enfants de la dame? Donc La femme qu'il a son problème, épousée, c'est la dame ou son problème, ce sont les deux enfants? La femme qu'il a épousée avait déjà deux enfants. Et dans la famille de sa femme, on lui a présenté ses enfants comme étant des neveux. Et depuis qu'il s'est marié avec cette femme, elle lui met la pression, prenons mes neveux, prenons mes neveux. On est neveux, d'accord, c'est-à-dire prenons mes neveux. qu'au-delà du fait qu'il s'est rendu compte Oui. que sa femme a menti sur le fait qu'elle avait déjà deux enfants, Oui. il y a qu'il n'est pas d'accord du comportement de cette femme. À côté. Qui demande que, même en Qui allant mette sa mère à la dehors. porte, Oui. On n'a pas besoin d'elle dans notre maison et tout. Oui. Comment on gère ça, Dominique Audrey? Je ne sais pas. Par Mais amour, je il croit les deux que enfants et puis il les accepte, il vit avec eux, après c'est tout. Avant d'accepter les enfants, il faudrait qu'il puisse savoir le pourquoi de ce secret, de cette cachotterie. Il faut bien pouvoir justifier. Mais je crois que la raison de ce mensonge réside dans le fait que la société aujourd'hui nous présente des hommes qui disent « Moi, je ne peux pas épouser une femme qui a déjà accouché. » Ça, c'est Dominique Audrey. Moi, je ne peux pas épouser une femme qui a déjà accouché. Une femme qui a déjà accouché aura toujours une relation avec le père de ses enfants, patati, patata. Conséquence, malheureusement, on retrouve dans des femmes qui, malgré le fait qu'elles aient déjà donné naissance à des enfants, se retrouvent à renier, camoufler, nier l'existence de leur enfant. La gymnastique. Malheureusement. De ça. Non, il n'y a pas de gymnastique. Close gymnastique. Donc, c'est par amour pour cet homme en fait, qu'elle a choisi d'habiller ce secret. Oui. Je crois qu'à un moment donné, elle aurait été obligée de dire à cet homme que, en fait, comme tu vois là, mon passé n'est pas reluisant dans la mesure où j'ai rencontré deux hommes qui se sont joués de moi et ils m'ont abandonné avec deux enfants. Malheureusement, c'est ma mère qui élève ses enfants, mais je suis prête à... Donc, à un moment donné, elle aurait fait ses révélations. Mais maintenant, l'histoire de ce matin interpelle également les patrons de ménagères, des patrons qui ont des femmes de ménage chez eux. Vraiment, quand vous voulez avoir des discussions sérieuses, importantes, quand vous voulez parler de vos secrets de famille, rassurez-vous que vos aides de maison soient très éloignées parce que ce secret se retrouve dehors parce que la ménagère voilà. était amie avec une tante qui a raconté au monsieur. Belle gymnastique. Donc vraiment, à cette dame, il faut simplement expliquer Dominique à Audrey, votre ma... Oui, vous dites aux femmes, si tu as déjà un enfant ou si tu as déjà deux enfants... Et que tu as menti, chasse ta ménagère quand tu causes. Ça, c'est Charles Lamel qui dit. Moi, les téléspectateurs sont témoins, je ne l'ai pas mentionné. Donc, pour vous, si une femme a déjà un ou deux enfants, du moins une femme qui a des enfants, oui. Avant de contracter une autre relation, ou alors si elle contracte une autre relation, il faut déjà qu'elle dise, bon, monsieur, écoute, voilà, je n'ai pas d'enfants. Elle doit cacher. Je l'ai dit quelque pour part. Pour protéger peut-être la relation aussi. C'est l'impression, c'est l'interprétation. C'est que vous je faites pose de la ce question que j'ai pour dit. Qu'on soit en phase. Non, on n'est pas en phase parce que vous voulez me caricaturer. Et c'est lundi. Si vous commencez comme ça toute la semaine, ça ne va pas passer. Ce que j'ai dit, c'est que la dame se retrouve certainement dans cette situation parce que la société aujourd'hui donne l'impression et la sensation aux femmes qui ont donné naissance hors mariage que si vous avez déjà eu un enfant, aucun homme ne vous prendra. J'ai déjà dit sur ce plateau qu'une femme qui a 5 enfants peut aisément reprendre sa vie parce qu'il y aura toujours des hommes qui seront prêts à épouser des femmes comme celle-là. Des témoignages, j'en ai sous la main. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, le monsieur doit poser la question à sa femme de savoir pourquoi est-ce que tu m'as caché l'existence de ces deux enfants. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle peut mettre dans cette réponse quand le monsieur pose la question, pourquoi tu m'as caché d'avoir... J'avais peur. Deux. J'avais peur. Même aujourd'hui, la femme n'est pas en train d'avouer. De te perdre. J'avais peur. J'avais peur de ne pas de pouvoir te avoir une relation...
J'avais peur de ne pas pouvoir avoir ce mariage. J'avais peur que tu me laisses comme tous les autres hommes qui m'ont laissé. Lorsque quelqu'un vit une situation ou bien se retrouve dans un problème, il n'y a que la personne à même d'expliquer le pourquoi de certains actes posés. Donc, oh monsieur, avant de prendre une quelconque décision, de savoir pourquoi elle a fait. Maintenant, le comportement en ce qui concerne votre mère et tout ça, je crois que vous vous en rendez compte aujourd'hui parce qu'on vous a parlé des enfants. Parce que avant ça, vous n'avez pas mentionné cela, vous avez supporté cela, vous avez fait preuve d'abstinence le temps du mariage. Ça veut dire qu'elle a certainement donné sa vie à Dieu. Elle est devenue une femme nouvelle, même si elle a pu avoir des relations tumultueuses par le passé qui ont donné naissance à ses enfants. Donc, tout simplement, vous n'allez pas divorcer parce que votre femme a eu des enfants. C'est trop léger, quoi. C'est pas suffisamment lourd, en tout cas. Pour vous demander le divorce. Pour demander le divorce. Vous allez savoir pourquoi, vous allez chercher à savoir pourquoi votre femme l'a fait. Vous prendrez le temps que ça vous coûtera de passer à autre chose, mais vous allez revenir à votre relation parce que de quelque façon que ce soit, elle n'a pas fait ses enfants dans votre dos, elle a fait ses enfants avant vous. Donc il faut connaître le passé de la femme que vous avez épousée, tout simplement. Pamela Foman, on fera le reproche aux hommes de dire que bien fait pour vous si quelquefois vous mettez avec des femmes sans poser les questions qu'il faut, parce qu'aujourd'hui il sursaute parce qu'il découvre que la dame a deux enfants et pour lui ça ne passe pas, mais alors pas du tout. Alors si on s'en va sur la piste évoquée par Dominique Audrey selon laquelle on est dans une société où quand une femme a déjà fait des enfants, généralement on a tendance à dire à l'homme qui arrive, non écoute c'est mon petit frère, c'est l'enfant de ma soeur, c'est l'enfant de mon frère, parce qu'une fois qu'on va dire non écoute j'ai eu deux enfants avant de te connaître, la personne fera vite de passer à autre chose, de tourner la page. Donc, c'est par amour que les femmes ont tendance aujourd'hui à cacher aux partenaires qu'elles ont déjà des enfants. Non. Ce n'est pas de l'amour. Parce que la dame n'assume pas ses enfants. Je ne comprends pas. Les hommes ont cette facilité de dire, j'ai trois femmes. J'ai des enfants, j'ai 10 enfants, j'ai 11 enfants. Mais pourquoi les femmes veulent nier? Tu es accouché, tu as tes 16 enfants, un homme entre dans ta vie. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas mieux d'assumer ses enfants. Tu lui dis, j'ai 5 enfants, point barre. Oui, j'ai 7 enfants avec 2 pères, avec 3 pères. Mais vraiment, ne décidez pas la place de ce monsieur. Parce qu'on a l'impression qu'elle a piégé le monsieur. Elle était la seule à savoir l'histoire. Et avec la complicité de sa mère, bien sûr. Et l'histoire nous fait savoir que jusqu'à l'instant où nous parlons, le monsieur lui a demandé, est-ce que les enfants dont on parle t'appartiennent? La dame lui dit non. Ça veut dire qu'elle est condamnée à mentir jusqu'à la gare. Elle n'est pas sans. Ça veut dire que dans sa tête, c'est que la version que je t'ai donnée au départ, c'est avec ça que je vais mourir. Elle est chrétienne. Mmh. Ah, c'est ce qu'elle dit qu'elle est chrétienne. Non. Oui, elle dit qu'elle est chrétienne. C'est ça qui fait justement ça. les hommes se transforment. Parce que l'homme vient avec une très bonne intention de dire que, ok, j'ai trouvé l'âme sœur qu'il me faut, je dois me marier, je dois me responsabiliser. Et puis il tombe sur une femme. Il peut même. Ça veut dire que même au départ, si tu lui disais, d'accord, je dis n'importe quoi, Pascal, j'ai 2 enfants avec 2 pères, mais je tiens vraiment à cette relation. Que le monsieur décide, ce n'est pas à vous de décider. Que le monsieur décide que je ne peux pas continuer ma vie, alors je ne peux pas faire une vie avec une femme. Pour vous, c'est trop peu pour parler de cassure, pour briser la relation, ou alors vraiment qu'elle le dise maintenant, qu'il le sache maintenant, ça ne pose pas de problème parce qu'il est amoureux de la femme, un point, c'est tout. Non, sauf que là, elle a piégé le monsieur. Ça aurait été différent si elle disait au départ. C'est un piège. Oui, c'est un piège. Elle n'a pas été honnête. Le monsieur peut même l'accepter. Il avait 5 enfants. Il y a des hommes pareils. Il y a des hommes qui ont déjà fait leur vie. Ils rencontrent une femme qui a ses charges. Il prend et il poursuit sa vie. Il y a des hommes qui n'ont. Ça ne pose aucunement problème. Il y a d'autres femmes que vous allez rencontrer. Ils ont. Tu as juste un enfant. Tu te dis non, je ne vais pas. Vraiment, je vais pas la charge. Il y a d'autres que tu rencontres. Tu as tes 5 enfants. Tu as une mère malade. Tu es dans une famille polygame. Ça ne lui pose aucun problème. Il prend toutes tes charges. Il vit avec. Donc je pense que le problème du monsieur, ce n'est même pas les enfants. C'est le mensonge de la dame. La dame n'a jamais pu accepter. Parce que le monsieur dit que quand il a appris la rumeur, il s'est rapproché auprès de sa belle-mère pour savoir que, ok, maman, ma femme peut me mentir au moins, toi. De sa femme pour lui dire que, d'accord, j'apprends des choses, mais est-ce que c'est vrai? Et puis, je ne vois même pas la famille de l'homme dans l'histoire. C'est-à-dire que l'homme est allé à l'encontre de sa famille pour épouser une jeune fille qu'il croyait comme l'âme sœur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je pense que si la femme n'est pas capable aujourd'hui de seulement assumer, parce qu'elle-même, c'est-à-dire que l'homme a été tellement naïf, vraiment, il ne faut pas.
Mais on met ça dans le compte de l'amour. On dit toujours quand un homme est amoureux, une personne est amoureuse, on ne conseille pas. Parce qu'il dit qu'il y avait une ressemblance. Il s'est dit que bon, la tante peut ressembler au neveu. Oui, alors le neveu peut ressembler à la tante. Il y a des enfants qui ne ressemblent pas à leur mère. Le minimum serait quand même d'avouer vraiment. Il faut dire la vérité. Moi, je le dis toujours dans cette relation. Hein, ça ne sert à rien de traîner un mensonge. Même si même jusqu'à votre dernière journée sur terre, la vérité va toujours finir par triompher. Donc, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous estimez que c'est une relation qui se veut dans la durée, il faut toujours lui dire. Maintenant, quitte à ce qu'il prenne des responsabilités, d'accord, Pamela, je poursuis la relation avec toi parce que j'estime que, ok, tu as eu à faire des erreurs étant jeune et j'estime que tu as changé. Je peux te donner une chance afin qu'on poursuive notre vie. Mais il ne faut pas entretenir un mensonge de nombreuses années et puis aujourd'hui, tu es même incapable d'assumer. Donc, tu n'es pas fier de tes enfants que tu as aujourd'hui. Tu n'es pas fier de dire que, d'accord, j'ai eu deux enfants avant toi. Non. Et puis même si elle tombe enceinte aujourd'hui avec cela, l'homme ne sera jamais rassuré que l'enfant qu'elle porte lui appartient. Voilà autant de situations que le couple va vivre. Donc elle peut être dans ce ménage et continuer à manger ailleurs. Pourquoi pas? Si elle est incapable d'accepter les enfants qu'elle a fait, d'accord. Charles Amel, on va au tribunal pour ça, on va demander le divorce, on va chercher un avocat parce que la dame a menti. Ah donc, qui chasse la femme là? Qui la chasse? Le mariage est récent. Hein. Qui la chasse? C'est pas un mariage. Pourquoi ça? Il la chasse, Charles Amel? C'est pas un mariage, ça. Le gars est envoûté. Il est envoûté. Non, attendez. Donc, vous demandez à un homme de chasser sa femme par rapport aux enfants. Ce gars est envoûté. Non, il est amoureux. Il a dit. Il n'est pas amoureux. Non, il a dit qu'il est amoureux. Il croit être amoureux. Ah. Il est sous le charme de sa belle-mère et de sa sorcière de compagnon. Isabelle? De sa voisine. Je ne veux pas faire dans la virgule. Vous ne pouvez pas avoir une femme qui vous manque de manière rectiligne. Ce n'est pas mes enfants. C'est les enfants de ma soeur. Par peur de vous perdre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La belle-mère qui se doit de n'avoir plus froid aux yeux vient donner son absolution dans l'affaire. Les yeux que tu vois là, c'est les yeux de ma soeur. Les pieds que tu vois là, c'est les pieds de mon beau-frère. Le gars boit la sauce. Deuxième faute, et là on est sur l'indicateur zéro. Cette fille demande qu'on mette sa maman dehors pour les occidentaliser, sa belle-mère. Elle veut avoir peut-être son espace. Il a précisé. Elle a un appartement. Elle n'est pas dans notre concession. Elle est dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Ça peut être au cinquième et ils sont au premier. Ça peut être qu'elle est au premier et ils sont au douzième. Le gars dit qu'il a encore trouvé la force sous le charme de pardonner. Sorti. Troisième point. Et là, on a l'indicateur moins 20. La fille dit, le gars dit que c'est une adepte de sortie, sortie sans autorisation, sortie sans permission. Wougou. Les voix du Seigneur sont insondables. Et vous venez avec Dominique Audrey nous dire sur ce plateau, elle est chrétienne, elle a donné sa vie, Menalmi. Ils nous regardent. Oui. Et son prénom, c'est qui? Appelons-le. Janvier. 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 Avant que juin ne te trouve, jette la fille là-dedans. Jette la terre. On peut rectifier le tir, Charles. Il n'y a aucun tir à rectifier ici. Mais le pardon, juin, le pardon dans un couple, Charles Amel. La place du pardon dans le couple. Parce qu'à vous écouter, vraiment, cette fille n'a pas droit au pardon ou alors ça n'a pas sa place dans une relation. Est-ce qu'elle ne peut pas se faire pardonner? Ou alors comment il n'y a aucune demande de pardon formulée. C'est un tchou. J'ai dit le gars est un tchou, il est avalé. L'amour, Charles, vous avez ressenti ça déjà. C'est ce que vous appelez amour. Dès qu'on se marie, on devient logique. L'amour meurt. Qu'il porte cette fille, il la jette dehors. Il n'aura jamais la paix dans son frère. Elle va te doser tellement de charme qu'il deviendra un poison. Pourquoi vous, estimez qu'elle n'aura pas, qu'il n'aura pas la paix? Elle sera toujours avec le père de deux enfants ou alors la paix pour vous? Premièrement, il ne représente rien. Hein?
Elle force le gars à adopter ses enfants sans lui dire la vérité. Elle force quelqu'un à adopter ses enfants sans lui dire la vérité. Deuxième, elle le méprise. Manque de respect. Irrespectabilité. Complicité avec son homme. Je dis, vous causez. Non, ça, c'est le genre de problème que moi je cherche. J'ai ce genre de problème, ce n'est pas deux heures. À l'immédiat. Je trouve un preneur sur l'immeuble, je vends même. Je dis, je trouve même le preneur, je dis, je vends. Mais, oui, bon, Bengan, on parle quand même de mariage. On parle de mariage qui est tout neuf, qui est tout frais. C'est-à-dire que on peut comprendre que l'amour soit encore très fort aussi entre les deux. Je vais prendre l'exemple dans la Bible. Quoi? Pourquoi dans la Bible? Joseph lui-même s'est fâché de Marie. Non? Il a dû lui des explications. Mm-hmm. Avant que le type qui est ressuscité hier là, ne vienne. Encore qu'on ne lui a même pas dit que c'était son fils. Donc Jésus est mort là. Il n'a jamais été le fils de Joseph. Son père l'a pris. Mon fils Janvier, tu as bien fait que ton histoire arrive à Pâques. Vendredi, quand on tuait Jésus, il n'a pas pardonné les deux brigands. Hein. Il a pardonné un seul. Il a dit à l'autre là que ton cœur est dur. Je ne vais pas avec toi. Chasse ta femme. Ah oui. Chasse-la. Il n'y a pas de demander pardon là-dedans. Chasse-la. Tu ne vivras jamais en paix. Jamais. Comment toi, à l'heure actuelle, tu peux mettre une femme dans la maison sans même goûter une fois? Non, pour respecter les saintes écritures. Voilà. Hein, le père. Sans même goûter une fois. Maintenant que tu constates que elle n'est pas chrétienne. Il n'a pas dit qu'il n'est pas satisfait sur le plan sexuel de la dame. Sauf que la dame a demandé qu'ils attendent de consommer le sexe après et même le mariage. Et il l'a fait, non? Oui, il l'a fait. La Bible dit qu'il trouvait Marie. Le soir où il voulait, on a dit qu'elle était fatiguée. Un mariage, ça épuise. Elle n'attendait pas le mariage là. C'est-à-dire que même le jour où vous êtes ensemble de filles, même là, tu ne commences pas. Et tu veux continuer? Non, ce n'est pas possible. Moi, je viens, Chalamel a dit le reste. Comment accroître le progrès rationnel en se rapprochant le plus possible de la vérité générale inscrite dans la nature? Bon, ça devient de tes deux parents. Ils n'ont pas mené une vie de couple stable, tu voulais le faire. Comment faire donc pour mener une vie de couple stable? Première chose, tu es le cœur à flasher. Le cœur a flashé. La famille n'a pas fait une enquête approfondie parce que c'est une famille de sorcières. Tu es entré dans une famille de sorciers là. Non, il nous a menti, papa. Donc, il a dit qu'il a envoyé sa famille faire l'enquête. Et sa famille a fait l'enquête. Donc, là, il a menti. Non, voilà. Non, mais ça peut être qu'ils ont fait une enquête et que l'enquête n'a pas été. Non, on peut que l'enquête. Correct. Parce qu'ils savent qu'ici, on va dire qu'il faut faire. La maman a vu. Un prétendant. Elle a caché les enfants. Elle a dit, ici ma fille, apprendre à laisser les immeubles là, les. Je c'est t'accompagne. Pour nous. C'est pour nous. Pour les prendre. C'est comme ça qu'ils ont réagi. Ils ont donc procédé par le mensonge. C'est pour ça qu'il faut toujours faire le ngambi pour s'approcher de cette vérité-là. Voilà donc, en voulant aller vite, tu n'as pas. Il y a un problème de karma collectif de la famille que tu n'as pas résolu. Mais cette fille, tu ne seras jamais heureux à côté d'elle. Chasse-la. Le pardon. Le, non, il n'y a pas pardon. De pardon. Est-ce Jésus lui-même. Pas, est-ce qu'on ne peut pas mouler une femme? On peut tomber sur une femme qui a peut-être menti, qui a un passé, si qui est méprisante, mais on peut la mouler. Non, parce non, que non, si non. On, à chaque fois que la femme commet un acte, non, on non. La chasse, on répudie. On ne moule mais pas. On va épouser toutes les femmes pas du pays. Si on ne la moule pas. On la chasse. On pouvons le mouler. Est-ce que ce n'est pas du moins pour lui un bon signe de savoir qu'il est sur une terre fertile? Non. Le fait de savoir que cette femme a déjà des enfants, ça veut c'est dire une terre aride, fertile où? Non, mon Bingan. Quelqu'un ne vous dit même pas que voilà, j'ai deux enfants vraiment avec leur père, je n'ai rien. Elle vous force à adopter ses enfants avec l'appui de sa mère. Vous parlez de quoi? Ne demandez pas qu'on ne nous impose à dire aux jeunes d'être quand vous élevez l'enfant des autres, vous apportez également des bénédictions sur vous-même. Ça veut dire que en nom de père, ils ont fabriqué un acte de naissance. En nom de mère, elle a répudié elle-même. Oui.
Puisque quand tu demandes qu'on adopte, forcément, on va prendre l'acte de naissance. Ça veut dire qu'on a refait l'acte. Ça veut dire qu'on a refait. Oui. La fille est fausse comme ses sourcils. Jésus lui-même n'a pas pardonné les deux brigands. Le deuxième. Or, il est venu. Non, non. Son père l'a envoyé pour les brebis perdues. Pour sauver les gens qui sont mauvais. Donc, il ne l'a pas envoyé pour sauver les gens qui sont bons. Quand on est bon, on est sauvé. L'amour pardonne. Jésus n'est donc pas amoureux des deux brigands. Si, non. Puisqu'il n'y a pas amour, il n'y a pas amour ici et il n'y a pas de couple. Janvier ne reste plus en garde. D'abord, sur le plan même juridique, mensonge avéré et tout. Vous allez vivre comment? La confiance va naître comment? Parce que toi, tu dormiras seulement avec un seul œil. L'autre restera ouvert. C'est le genre de femme que quand tu dors, elle allume et te regarde comme ça. Elle dit même, je vais commencer à le tuer par où? Et tu vas sursauter. Mais toi, tu ne parles même pas avec les ancêtres. Nous, quand ça nous fait, on sursaute, on voit, on surprend la femme, elle est regardée. N'accepte plus. 2 mois de mariage, vous oui, ça fait qu'il n'y aura même pas de dédommagement. Elle t'a trouvé avec ton immeuble. Elle ne va pas demander qu'on ne sépare l'immeuble. Ce n'est pas elle qui a construit. Ce n'est pas elle. Voilà, ce n'est pas elle. Ça veut dire le que problème, la justice... ce ne sont pas les biens. Le problème, c'est la relation, les sentiments. Elle a déjà perdu 2 mariages. Soit la troisième personne à qui il perd le mariage, c'est comme ça. Dans tous les cas, je crois que Janvier ne devait pas prendre directement une décision, du moins attend de lire également les non, les Janvier nous a dit. Oui, comme il a saisi toute la team du Zénith, je veux dire que les testateurs vont réagir, ils vont donner leurs avis. On verra si eux également sont d'accord du fait qu'il faudrait qu'ils décident de répudier cette femme. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la création d'un fonds de facilitation de crédit en lieu et place de la Banque agricole attendue depuis 2011, date du dernier comice agropastoral dans ce pays. Après la suspension en 2018, du processus de la création de la Cameroon Agriculture Financial Rural Corporation, institution financière dédiée au financement du secteur agropastoral, le gouvernement camerounais vient de changer de fusil d'épaule. En effet, en lieu et place d'une banque agricole, le Premier ministre Joseph John Nkuté a signé le 22 mars 2023 un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du fonds de facilitation de l'offre de crédit pour le développement des chaînes de valeur agricole, de l'élevage et de la pisciculture. Cette structure a en outre mission d'accompagner les établissements de crédit dans le développement des produits financiers innovants et inclusifs, adaptés aux spécificités et contraintes de développement des chaînes de valeur agricole, de l'élevage et de la pisciculture, impliquer les établissements de crédit dans le partage des risques de financement des chaînes de valeur agricole, de l'élevage et de la pisciculture, veiller à la bonne gestion des placements et recouvrements des prêts effectués par les établissements de crédit, renforcer les ressources des établissements de crédit, promouvoir les investissements dans les chaînes de valeur agricole. On parle de recouvrement. A-t-on déjà recouvré l'argent des programmes PANEGE, PAGE, PIFMAS, programme triennal jeune pour le MINJEC, programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora, le PIAICI, PAGE-LP, programme d'appui à la jeunesse urbaine pour la lutte contre la pauvreté, Fonds national d'insertion des jeunes, FONIGE, programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, paru jeudi pour les jeunes de la diaspora. Voilà autant de projets qui ont conservé la même texture, la même structure, les mêmes bases.
qu'on a copié, recopié, pour venir coller tout simplement sur ce fonds de garantie. On prend Pierre déshabillé pour habiller Paul. Cette structure, baptisée CAFRIC, devrait être dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA et devrait avoir pour unique actionnaire l'État du Cameroun. Quelle différence y a-t-il entre cela et ce qu'on avait annoncé comme la microfinance devant développer, structurer, financer les programmes agricoles? Comment comprendre cette façon de fonctionner qu'a ce gouvernement dans ce pays? On prend ce qui avait été conçu, qui n'avait pas marché, qui a mal marché, dont les caisses ont été vidées, on change les virgules et les points, point, virgule et deux points, on vient copier sur un nouveau projet. On dit une chose, on fait le contraire. On annonce une chose, on laisse beaucoup de temps couler sous les ponts. Savez-vous que l'arrêté du Premier ministre annonçant la création de cette structure n'est pas précise sur le montant de son capital et la date de son entrée en activité? Savez-vous que cette structure en gestation comprendra deux compartiments de deux guichets chacun? Un guichet fonds de garantie partielle de 50% et un autre facilité de refinancement des établissements de microfinance. Suivez bien le deuxième. Facilité de refinancement des établissements de microfinance. Le fonds de garantie partielle de 50% aura pour instrument de financement une banque commerciale de premier ordre agréée par le ministère des Finances et mandatée à cet effet. Bravo. Cet établissement pourra aussi engager directement ses ressources au taux du marché moyennant une garantie financière partielle de 50% octroyée par chaque compartiment. Trop beau. Très vrai pour être vrai. Lorsqu'on connaît la boulimie des gestionnaires de l'ENA, quels seront les mécanismes à mettre en place pour le financement? Outils de production, transformation et conservation, commercialisation, protection et gestion durable des écosystèmes, aménagement de l'espace rural. Que représentent 10 milliards? Puisqu'on parle de 10 milliards, divisé pour les guichets, fonds garantis partiels de 50% et l'autre de 50% réservé aux facilités de refinancement. Comment peut-on croire à ce projet, connaissant la longue liste des projets avortés en soutien au monde agricole? Fonader, Crédit Agricole du Cameroun, Fogapé, institution spécialisée dans le financement des projets agro-pastoraux. Et cet organisme, comme la Banque Agricole ou l'État du Cameroun, devrait être le seul actionnaire, ne fera pas les frais des rigoureuses conditionnalités des institutions de Bretton Woods. Rappelons-nous que c'était le cas dans les années 80 à 2000, lorsque l'économie camerounaise avait été mise sous ajustement structurel et plan d'austérité. Fonds de garantie, c'est bien. Mais la Banque Agricole, elle aurait eu toute sa place. Elle aurait rassemblé toutes ces différentes modules. 50%, 50%. Elle aurait fait un 50%. On aurait mieux compris la chose que de l'éclater et de nous reparler d'un refinancement de ces microfinances qui auraient enlevé l'argent pour financer des projets qui n'auraient pas abouti. Le film est trop long. Le film est vraiment trop long et on n'est pas prêt d'arriver de sitôt à la fin de ce film. Bombingan, on parle quand même de 2011 et quand on fait le parallèle avec 2023, on peut comprendre toutes ces années qui se soient écoulées et qu'on ne soit pas à donner des réponses assez consistantes, convaincantes ou du moins qui puissent montrer qu'on a cette volonté d'arriver à des solutions qui soient assez concrètes pour le bien de tous. L'État du Cameroun a définitivement pénétré en brousse. Pour reprendre les propos de Jean-Marc Ella, de glorieuse mémoire, l'État a raté la réforme agraire en refusant de l'associer au secteur bancaire. Et l'État se trouve aujourd'hui embarrassé précisément parce que le Fonds national pour le développement monde rural qu'on appelait FONADER a été dissoute comme ça.
parce que son directeur général de l'époque était soupçonné de participer au coup d'État, d'avoir participé au coup d'État du 6 avril 1984. Donc au lieu de punir, si c'était avéré, le directeur de la banque et laisser la banque fonctionner, on a préféré détruire la banque sans procéder à la liquidation normale de cette banque-là. Après, il y a eu le fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises, FOGAP. Il y a déjà eu, je pense, 3 ou 4 cabinets d'expertise comptable. On n'a jamais clos le dossier. Il y a eu le Crédit Agricole. Donc, le directeur général est un Allemand. En partant, il a dit, laissez-moi tranquille. C'est le PCA qui a pris votre argent. Le PCA, à l'époque, s'appelait Gilbert André Tungi. Père son âme. À ce moment précis, que l'entreprise qui aidait l'État à payer les fonctionnaires et à donner les ressources aux planteurs, l'Office national de commercialisation des produits de base, cet office aussi a été fermé. Vous voyez, quand vous êtes dans une telle navigation à vue, il restait donc une chose. Ce que moi j'ai compris de cette orientation du chef de l'État, c'est que l'argent, lorsque l'Assemblée nationale siège là, les fonds de la présidence ont 3 orientations. Intégrité du territoire, et parce que c'est normal. Oui. Mais il y a un chapitre. Appui institutionnel de la présidence de la République aux services rattachés. Quand vous entendez que le président de la République a débloqué 1 milliard pour l'accident de Cambrai, a débloqué pour... Ça veut dire que voilà. Ces fonds, c'est là qu'on les prend. Les prend dans le budget de la présidence. Il fallait donc trouver quelque chose pour le premier ministre. Pourquoi? Parce que c'est encore un ancien premier ministre qui l'avait dit en 1994, Simon Achida Achou, lui aussi, père à ton âme. Politique Nandjangui. Donc, nous avons des amis politiques à qui il faut donner quelque chose. Les lignes 65 et 94 sont encadrées par le ministère en charge de l'économie, du plan de la planification, mais sous le regard du président de la République. Il fallait donc trouver un guichet pour le premier ministre pour qu'il essaye aussi à son niveau de contenter certains compatriotes au regard de l'appréciation qui lui est particulière. Et c'est justement cette orientation qui a fait tuer la banque des PME. Parce que c'est la même chose. Si vous lisez les textes qui régissent le code général de la décentralisation, vous verrez que la mission dévolue aux mairies de la ville qu'on appelle communauté urbaine encore dans ce truc, sont les mêmes missions dévolues pour les conseils régionaux. Vous allez donc dire que bon, qui de la mairie de la ville ou du conseil régional va faire ces choses-là? Donc, on donne les mêmes missions à ce fonds encadré par le Premier ministre, les mêmes orientations à la banque des PME. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut donc dire qu'en fait, il est question ici, comme il y a des projets manioc, il y a des projets, les bailleurs de fonds nous donnent souvent nous ouvrent quelques guichets. Il faut que le Premier ministre ait aussi sa part de guichet, il peut donner. Mais ça n'a rien à voir avec le développement agro-pastoral dans notre pays. Vraiment là, rien du tout. Et là justement, Dominique Audrey, pourquoi laisser plutôt enfler cette polémique qu'on aurait pu vraiment taire avec la création de ce fonds de facilitation finalement? Il faut bien trouver quelque chose à dire. Si on s'en tient à ce que Père Momok a dit, vers la fin, les bailleurs de fonds pourraient ouvrir potentiellement des guichets et il faut donc justifier de l'ouverture de ces guichets là en disant... Par rapport à l'agriculture, on a pensé à développer ça. Pour ça, il nous faut un fonds. Donc, le fonds va devoir venir, même si on ne nous dit pas quel sera le montant du fonds, on nous dit, voilà, on va faciliter l'octroi de crédit par rapport à la chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur est tellement longue parce qu'elle va des intrants. Ça passe par les intrants, ça passe par les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les personnes qui en sachent, et jusqu'aux revendeurs, aux petits revendeurs. C'est très long. On ne nous dit pas comment est-ce qu'on va organiser, quels sont les critères qui vont entrer en jeu pour pouvoir octroyer les crédits.
De base, cette annonce est très bonne pour toutes les personnes qui font dans l'élevage, l'agriculture et la pisciculture. Parce que oui, ce domaine a besoin de fonds. Les producteurs aujourd'hui, les producteurs agricoles ont besoin de subventions. Bon, peut-être pas de subventions, ont besoin de crédits pour pouvoir... Non, de subventions. Comment l'Union européenne subventionne les agriculteurs? Ils ont besoin de subventions, ils ont besoin de cela pour... C'est même le terme approprié. Pour les alimenter afin de mûrir leur projet. J'ai dit subvention, là j'ai sursauté quelque chose. Non, c'est même le terme approprié. Où? Parce que oui, pour pouvoir. Il devrait être subventionné si tout se faisait correctement, si on était dans un pays sérieux. Je crois que ça ne devrait même pas créer. Ça devrait être automatique que ces personnes puissent bénéficier de cette subvention, parce qu'en réalité, il y va aussi du bénéfice de toute la République. De toute la République, oui. Sauf qu'ici, on leur dit, on va vous octroyer des crédits. Mais pour avoir ces crédits, vous allez devoir fournir un certain nombre de documents. On va vous demander, prouver que vous avez le terrain, prouver que vous avez ci, prouver que vous avez ça. Et la plupart n'en ont pas. Donc ici, ce projet, franchement, j'ai un peu du mal à y croire. Franchement, j'ai beaucoup de mal à croire que ça va véritablement être mis sur pied ou alors que ça va être remis aux personnes qui sont véritablement dans le besoin. Parce que la question vraiment que je me pose, c'est quelle est la différence entre ce fonds et la banque agricole? Quelle est qu'est-ce que l'autre a, le nouveau fonds annoncé a de plus que la banque agricole, ou bien qu'est-ce que la banque des PME n'a pas qu'on a rajouté dans ce fonds pour qu'on multiplie autant de projets sur le plan agropastoral? Ça veut dire qu'à un moment donné, Charles Lamain, ça doit être peut-être pouvoir se valoir et tout le monde pourrait ou devrait, dans un comme dans l'autre, trouver son compte. Pourquoi est-ce qu'on évite la création de la banque agricole? C'est là mon problème. Pourquoi est-ce qu'on passe le temps à tourner tout autour du pot? Fonds de garantie, subventions, création des programmes jeunes pour financer la jeunesse, les jeunes entrepreneurs, PAGEU, PANET, PIFMA, PIACI. Tout sauf la banque agricole. Tout sauf la banque agricole. Pourquoi? Parce que les mécanismes de la banque agricole seront passés au peigne fin, à telle enseigne que la moindre virgule et le moindre point mal placé, mal positionné sur les i sera visible. Or, avec un fonds de garantie, c'est un fonds déposé. 50% de 10 milliards, c'est 5 milliards qu'on injecte dans les projets et les programmes. Oui. Il faudrait trouver les zones. On va dire, l'Est, on vous a trop donné. Avec le PAGEU, U, PIACI, vous avez trop mangé. Laissons-nous. Il y a même dans le programme de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Bon. Laissons ça aller de ce côté. Vous avez trop mangé. On oriente ça là-bas. Il faudra trouver des parcelles, donc des personnes qui ont des terres, qui ont des titres fonciers, qui ont des garanties pour pouvoir obtenir le fonds de garantie. Parce qu'il faut avoir une garantie pour pouvoir obtenir le fonds de garantie. Alors dis-toi, toi tu as été premier ministre depuis longtemps, tu as trop mangé. Toi vraiment tes affaires, vraiment oui bon. Voilà, on amène, on donne l'affaire. Vous avez l'affaire, vous n'êtes pas obligé d'avoir des résultats. La première récolte peut tomber. On a dit agriculture, élevage, pisciculture. Il va arriver qu'un serpent boit, avale tous vos serpents, tous vos poissons, vos enlevins, vos poulets et tout. Et c'est, on déclenche dans le Nord-Ouest et Sud-Est une grippe aviaire compliquée. Et vous vous retrouvez vite. Ils vont bien procéder à un refinancement. Genre l'autre 50% intervient. Partiel de refinancement des microfinances qui auraient procédé au financement. Chose du Cameroun. L'affaire dans. Non! Mais c'est clair. Non. Vous pouvez aller d'éternel recommencement, oui. À qui devrait-on principalement aujourd'hui pouvoir s'en prendre, Caramel, pour ne pas... L'entrepreneur en chef. Non, mais bon, Nathan ne dirait pas que c'est une personne un peu plus éloignée. Non, c'est l'entrepreneur en chef qui a... Oui, mais qui a mobilisé des personnes? Qui a mobilisé des personnes pour avoir d'autres résultats aussi? L'entrepreneur en chef, ça fait partie de ce qu'il a vu lui-même à Ebolova.
Il a dit, comment vous mangez ce qui vient ailleurs? Il faut que vous commencez à manger. La simple expression refinancement des microfinances et un procédé de financement est mauvais. Vous avez mis une garantie, vous avez obligation de résultat. Absolument. Il faut avoir des ingénieurs sur le terrain. Tous ceux qui avaient pris l'argent mis par le chef de l'État pour la création des salons de coiffure, ils sont où aujourd'hui? On a déclaré des vols virtuels. On a déclaré une surintensité qui a fait péter un matériel. On est venu louer au bord de la route un immeuble ou comment on va appeler ça, une boutique qu'on a peint, repeint, mettre des enseignes et tout, donner l'impression qu'il y avait un matériel. Du jour au lendemain, il y a eu un incendie. Mais allez vous rendre compte, on a pris Wassandé. Non, laisse la personne, non, mais prends le petit projet pour entrer dans le cadre de notre colère. Où sont les pépinières? Mais les pépinières, ce sont aux abois. Voilà. La pépinière en chef, c'est que l'agriculture commence par les pépinières. On tue les pépinières et vous voulez financer quoi? Non, on reste dans la logique du chef de l'État. On est simplement, on permet la commune inconscient de la situation qui se passe parce que, bon, on relève un aspect hyper important, c'est-à-dire que s'il faut même commencer, on commence par les pépinières parce que c'est la base, c'est la clé pour la suite. Non, ça c'est le secteur agricole. Oui, même le secteur agricole, la survie part de là. La survie part de là. Mais si déjà, pour ne parler que de cet aspect est négligé, ça veut dire qu'on est indifférent de la régénération. Tout à fait, Isabelle Caron. Moi, j'ai lu, je crois, le journal Eco Matin, si je ne me trompe pas, justement, qui a soulevé la colère de ce matin, qui faisait savoir que le Premier ministre a fait une sortie par rapport à ce sujet. Sauf que jusqu'ici, aucun montant n'est connu, même le début des activités. Bien n'est connu, pourtant ce projet pouvait permettre à pour mission de renforcer les ressources des établissements de crédit. Parce que après cela, il va bien falloir que vous donnez une garantie. Maintenant, si c'est que cela n'est pas respecté, on s'en prend à qui? C'est ça la question. À qui est-ce qu'on va s'en prendre? Quelle est la seule et unique garantie qui passe dans les banques commerciales Bonbon? C'est le titre foncier. Et ceux qui n'ont pas de titre foncier. Est-ce qu'on a le même? C'est ça, c'est de là qu'on parle. Ta question est pertinente. C'est de là. Est-ce qu'on a déjà levé ça? Ta question est pertinente. Vous n'êtes pas éligible. C'est là donc où on est entré en brousse. L'accès, parce que même pour avoir ces crédits, voilà. Il y a un profil qu'il faut avoir. Que tout le monde peut se lever et entrer en brousse. Pour ceux qui travaillent pour avoir un crédit, c'est ABI, non? ABI, virement. Pour les autres, c'est titre foncier. Maintenant, le secteur rural, vous n'avez pas de titre foncier. L'État a prévu qu'on va financer comment? Encore que même pour eux, c'est difficile d'avoir des garanties. Voilà. Pour dire, ok, d'accord, je mets telle chose en gage, quelle est la garantie pour avoir le fonds de garantie? C'est laquelle? Non, on regarde les yeux. J'ai les yeux dans les yeux. Non, Yann Philemon, toi. Ça ramène tout et n'importe quoi, mon méga. C'est le flou total. Et là, bonjour, encore une autre porte de la corruption. C'est ce que Charles Amel a dit. Comme on va dire, Yann Philemon, regarde, j'ai failli oublier. Va même dans le Donga Mantou, mais est-ce que c'est déjà paisible là-bas? Je reste ici. Prends ici, essaye de voir. Après, il va venir 4 mois après, dit, mais j'ai mis mes enfants là-bas pour commencer l'élevage des poulets. Mais dès le deuxième mois, un boa a pris tous les poussins, il les a avalés. Maman, à l'heure actuelle, le Cameroun serait en train de manger les croissants faits à base de patates. Parce qu'il y avait un projet que l'État du Cameroun avait financé à Moundéba. Patates, je suis dans et même le manioc. Et c'était sous tout accompagnement fait. Turc. Tout à fait. On était à 2 milliards de francs CFA. Tout à fait. Vous voyez que ce pays est très beau. Très. Très beau sur tous les plans. Savoir concevoir, savoir penser. On dit souvent, quand tu trouves ta part, mange. Reste tranquille. Parce qu'en allant dans ce fond, qu'est-ce qui va démontrer que là où tu fais l'élevage, c'est ton terrain? Vous ne pouvez pas louer. On ne peut pas. Voilà. En vrai, ce n'est pas le vôtre. C'est-à-dire que tu fais simplement ça pour un surtout temps. Surtout que beaucoup et à tout moment de cette façon. Et la terre. Plus des locations pour voilà. La terre appartient à qui? Aux riches. L'accès aux terres. Une véritable question se pose à ces personnes également qui exercent dans ce domaine-là. L'accès à la propriété foncière, c'est un réel défi. Et je crois qu'à un moment donné, on a tous les yeux rivés, mon Mégane, pour te rejoindre, mais l'entrepreneur en chef, à tout de suite.